Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo après une petite absence, un petit peu de repos, beaucoup d'achats, beaucoup de rentrées. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Déjà en temps normal, d'une semaine à l'autre, j'arrive à faire rentrer pas mal de trucs, mais là, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Merci pour tous vos messages de sympathie. Ça m'a beaucoup touché. Mais voilà, on est reparti là. Donc voilà, j'ai commencé tout de suite avec un présentoir que j'ai récupéré, voilà, pour dans un kiosque. Ils s'en séparaient et moi ça m'intéressait pour mettre tous mes livres et revues, mais beaucoup mes bouquins sur la VHS, jeux vidéo, dessins animés, les séries des années 80, les grands héros des jeux des années, enfin les grands héros des jeux vidéo. Et voilà, aussi ce bouquin-là, voilà, qui est un peu plus bas. Donc voilà, nos années récré à deux. Et j'ai mis dedans deux posters que j'ai achetés. Donc voilà, ça fait un moment déjà, mais comme j'ai acheté le collector Play 5, j'ai acheté, alors là, c'est uniquement du poster. Voilà, donc Goldorak, voilà, qui va en parfaite adéquation avec le collector de la Play 5 que j'ai, qui est rangé là-bas. Vous les avez vus dans la nouvelle petite intro qui est pas mal. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ici, la pièce est presque terminée. Et donc, voilà, je vous ai mis quelques photos avec ma petite musique préférée que j'adore pour mon montage d'intro. Voilà, j'ai acheté un autre poster hier, alors je ne le vois pas souvent. Donc c'est un poster, c'est pas une affiche de cinéma. En cinéma, je rentrais beaucoup, beaucoup de choses. Et il va encore avoir, alors je tease un peu, mais il va avoir beaucoup de nouvelles rentrées dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et là, je vais vous montrer des trucs, les amis. Je pense que rares sont ceux qui ont vu. Voilà, de telles choses. Là, je parle de la VHS. Des photos de films qui sont pris à tirage limité et qui circulent pas beaucoup. Il y a même voilà, ce genre d'enveloppe avec certains films. Donc voilà, là, il s'agit de mon film préféré, Youngblood, où il y a 12 photos dedans. Donc CIC, Youngblood, un jeu de 12 photos. Et je vais en récupérer. Pas mal bientôt, et là j'ai trouvé ça hier. Je trouvais l'affiche très très sympa. Voilà, vous avez tous reconnu le rookie. Premier volet, enfin, il va aussi dans les autres, dans le 5 aussi, avec son fils. Mais voilà, je l'ai prise. Bon, c'était pas cher, c'était 5,95 € je crois. Je l'ai prise parce que c'est quand même une très très belle affiche. Enfin, c'est un poster, c'est pas une affiche cinéma. Voilà, donc je les mets là. Donc voilà, joli présentoir qui est plein, on va dire, à moitié. Et donc je vais essayer de trouver des jolis bouquins pour compléter. Dedans, il y a de la VHS, il y a plein de choses. Donc voilà, j'ai commencé très très vite avec des petites rentrées que j'ai eues. Vous l'avez vu sur la miniature. Une petite télé noir et blanc, mais très jolie, toute neuve, que j'ai récupérée. Voilà, elle est dans sa boîte avec. Elle était toute neuve, hein. Je l'ai déballée pour dire de l'essayer. Mais avec frigolite, avec la notice et le chargeur. Je me suis même amusé à brancher. Bon, il y a la radio évidemment, mais voilà, il y a des petits connecteurs. Sur j'ai une autre télé que j'ai récupérée il y a quelques mois, mais il y a une prise Péritel et j'avais branché une Mega Drive dessus, c'est rigolo. Donc voilà, donc j'ai eu ça, je vais la ranger par après pour pas perdre trop de temps. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter, les amis. J'ai récupéré, alors là aussi, c'est un super don que j'ai eu. Donc la Game Boy Fat, évidemment. J'ai mis dedans le jeu Pokémon que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Donc elle marche très bien. Mettre du son. Donc vous voyez, elle va. Il y a le son humain. Donc vous entendez, j'ai mis Pokémon dedans, le jaune.
Ça fait tout le temps kiffer ces musiques. Hein. Et voilà, vous voyez. Alors je fais gaffe au contre-jour. Donc voilà, Pokémon, vous le voyez. Donc voilà, très content, récupération gratuite. Donc je suis super content et j'ai récupéré le même jour une Play 3 que j'ai essayé, qui est dans un piteux état. Regardez, il y a un gros nettoyage. Alors vous ne vous fiez pas à ces trucs-là, c'est pas d'origine, hein, c'est des collants. On va dire des stickers japonais, en tout cas ça y ressemble, mais voilà, mais la console elle fonctionne, il y a même un jeu dedans, je ne l'ai pas éjecté, c'est Space Marine, je l'ai testé comme ça, elle est arrivée, donc voilà, je l'ai pris, je l'ai la nettoyé, l'exposé, voilà, donc Play 3, fat évidemment, c'est une 40 gigas, donc très content, mais voilà, la personne n'en avait pas pris soin. Je vais essayer de la retaper vraiment du mieux que je peux, mais il y a, je pense après le nettoyage, je pense que j'aurai une belle console qui sera rentrée évidemment pour pas cher, puisque je l'ai eu, je l'ai récupéré. J'ai récupéré en même temps dans le lot DVD, là, les 100, je crois il y a 120 DVD. Il y avait un Resident Evil, donc premier volet, et un Crazy Taxi. Et Xbox première génération, un Soul Calibur 2. Donc voilà, très content avec le fameux Link qui joue dedans. Donc voilà, très content. Jeu Xbox première génération de Namco aussi. Je ne sais pas si je l'ai, mais je pense qu'il doit être dans un meilleur état. Là, il est quasi neuf. Hein. Franchement, c'est voilà, très très. Je suis très content. Voilà mes rentrées en jeu. Donc voilà, du bon quand même, hein, une Play 3 qui rentre, une Game Boy Fat, bon le Pokémon je l'avais déjà eu puisque je l'avais acheté à un de mes collègues avec deux Game Boy Color que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je récupère un lot de cassettes audio, donc Best of Blues Brothers, voilà, que je n'avais pas. Il va falloir que je m'occupe vraiment aussi de... Je vais parler de rayons maintenant, hein, parce que j'ai des amis qui sont venus là, parce que j'ai eu un souci de voiture. J'ai acheté une autre voiture, pas une nouvelle, mais en tout cas les nouvelles. Mais voilà, Billy Paul, donc ils sont venus à la maison et ils ont cru qu'ils étaient dans un magasin. Donc ça fait très très plaisir. Voilà, donc très bien rangé, très bien agencé. Ils étaient super contents, j'ai reçu plein de compliments et voilà, il y a eu... 5-6 personnes différentes qui sont venues, donc très content. Donc un Eros Ramazzotti que j'ai eu pêché en CD il n'y a pas très longtemps. Un Barry White. Donc là aussi, il va falloir que je m'occupe. Prochain truc, ça va certainement être la fin de mon vidéoclub, mais qui n'est pas prêt de se terminer. Je vais vous expliquer pourquoi, les amis. J'ai un gros arrivage là dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Vous allez voir, ça va être terrible. Tout ce que je vais vous présenter, c'est un truc de dingue. Déjà là, il y a un gros paquet. Donc, c'est en fait tout. Et il n'y a pas que... Je vais finir. Whoopi Goldberg, Sister Act 1 et 2, que j'ai récupéré en CD il y a un an environ. Donc, très content. Le Livre de la Jungle. Donc, voilà, aussi super content. Elvis. Je vais écouter Elvis parce que... On en entend des fois dans des films et tout ça, dans Forrest Gump notamment. Et franchement, c'est voilà, au point de vue musical sur Elvis, je connais pas grand-chose. On voit des fois des vidéos et tout ça, mais voilà. Et après, Joe Cocker. Donc voilà, ça fait quand même 2, 4, 6, 8 nouvelles cassettes audio qui rentrent dans la collection. Je vais aller très très vite. J'ai... acheté hier 3 nouveaux Blu-ray 3D, le G.I. Joe Conspiration avec Dwayne Johnson. Donc voilà, ça certainement, ça va être regardé dans la semaine. Donc en 3D évidemment, avec le Blu-ray 3D et le DVD. Donc voilà, il y a les 3 dedans, hein, vous voyez, hop, et hop.
The Darkest Hour 3D que je ne connais pas. Alors je ne sais pas si c'est un gros film, en tout cas le résumé derrière m'a beaucoup plu. La jaquette elle est jolie. Et après le Jumanji, pardon, Bienvenue dans la jungle, encore une fois avec Dwayne Johnson. Donc voilà, Blu-ray 3D. Donc voilà. Donc ça je vais regarder. Je dois être un peu plus de 100 DVD en Blu-ray 3D. Je suis assez content. Je vais passer à une des plus belles choses que j'ai récupérées ces 3 dernières semaines. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc hier, je vais dans un cache, Happy Cache, je ne vais pas le cacher, où j'ai parlé un petit peu avec une des vendeuses très sympa qui m'offre le café à chaque fois que j'y vais. Voilà, au fur et à mesure que j'y vais, on discute et tout ça un petit peu. Elle me dit qu'elle va se mettre un petit peu sur le rétro. Et je lui parlais un petit peu de ma collection. Je lui avais montré avant quelques photos. Et donc, dans le magasin, il y avait en DVD un nouveau Youngblood. C'est le troisième que j'ai, que je prends. Je le trouve pas en VHS et ça m'énerve. Mais voilà ce que j'ai récupéré hier. Voilà donc cette enveloppe que je vous ai parlé tout à l'heure, le Youngblood CIC, un jeu de 12 photos. Alors, je vais en récupérer beaucoup comme ça, avec des films qui sont très 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 intéressants. Et c'est des choses qui ne circulent pas, qui ne sont pas très communes. Donc voilà, je vais récupérer sur des films cultes pour moi en tout cas. Mais voilà, ça va vous parler. Donc voilà, cette jolie photo, vous voyez bien, on est sur du papier glacé, c'est vraiment de la photo. Donc Rob Love, Patrick Swayze et Ed Lauter. Donc Patrick Swayze qui n'est plus, Ed Lauter non plus. Il nous reste Rob Love. Et voilà, ils sont sur la glace en fait, et dans ce moment du film, Rob Love vient d'intégrer l'équipe, donc des Mustangs. Bon, le film, je peux vous en parler pendant longtemps, je l'ai vu peut-être 1000 fois, sans déconner. Et donc voilà, il intègre, il vient juste d'intégrer, c'est son premier entraînement. La veille, ils ont fait la bringue, ils se sont mis à boire de la tequila. Et en fait, voilà, le coach, Ed Lauter, les met en défi au palais. Et voilà, bon, lui, il n'a pas la patate parce que bah, il est bourré, il n'a pas l'habitude. Mais Derek Sutton, joué par Patrick Swayze, lui, tient bien l'alcool et ils avaient prévu le coup. Et donc voilà. Sur ce premier, on va dire, défi à l'entraînement, c'est évidemment Rob Love qui perd et Derek Sutton, joué par Patrick Swayze, qui gagne. Donc voilà, après, bon, évidemment, ils se lient d'amitié. Et ils ont un ennemi commun, c'est Karl Racky, qui est un Canadien et qui les fracasse, même dans son équipe, c'est un tueur. Et donc voilà, là, vous avez Patrick Swayze à l'hôpital, qui ne jouera pas la finale contre les Bombers. Et voilà, il vient de voir à l'hôpital. Mais voilà, Rob Love, en voyant ça, enfin, Dean Youngblood, c'est son rôle qu'il joue, en voyant ça, arrête le hockey momentanément, puisqu'il y aura la grande finale. Donc voilà, la pléiade des 3 acteurs, il en manque un, je suis déçu de ne pas le voir, parce que leur gardien, en fait, il est joué par Keanu Reeves. Donc voilà, et ça, c'est Cynthia Shipps qui joue. Dans Short Circuit et qui joue aussi avec Van Damme dans Coup pour coup. Voilà, elle est là, toute seule, elle était jolie, elle me faisait craquer quand j'étais ado. Voilà, elle est là, très jolie. Voilà, et puis bon, là, c'est le dernier match. Donc, on voit Dean Youngblood contre Karl Racky. Et donc, voilà, c'est le début de la fin en fait. C'est la fin du match, ils ont gagné, il reste 3 secondes à jouer, l'entraîneur est très content, ils ont gagné. Mais voilà, Dean Youngblood ne veut pas quitter la glace et il veut faire ce combat voilà, contre son ennemi juré, Karl Racky. Donc voilà, là c'est aussi une photo où ils sont dans les vestiaires. Une photo qui n'est pas dans le film, c'est très très beau, ça c'est pas commun. Ça n'a rien à voir avec le film, c'est des prises qui ont été faites hors film. Rob Love, qui a eu un succès avec les filles, je ne vous explique pas. Donc voilà, là c'est la photo
où voilà, à lui tout seul, Roblov, enfin Dean Youngblood gagne le match et il a gagné son combat contre Karl Euraki, qu'il met à terre et qu'il dézingue. Donc voilà, bon, c'est une photo, je ne peux pas tout montrer parce que c'est voilà, c'est Dean Youngblood qui, voilà, Cynthia Chips en fait, elle joue, c'est la fille de l'entraîneur. Donc évidemment, quand tu touches à la fille, tu passes ton temps sur la touche. L'entraînement avant qu'il retourne chez les Mustangs de Dean Youngblood. Et une très très jolie photo de Patrick Swayze sur la glace. C'est lors de leur premier match où ils jouent ensemble et où Dean Youngblood, cette photo, c'est quand ils entament le match et qu'il lui offre son premier but. Voilà, excellent film. Donc je suis très content, je le connais par cœur, c'est mon film préféré. Et je vous avais dit que j'allais récupérer un lot important, mais vraiment important. Il y a 783 couvertures de... je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a, il y en a 350, c'est du X ou du érotique. Mais voilà, la très très belle surprise. Et c'est vraiment le poster que je veux retrouver, la VHS que je veux retrouver. Donc c'est une spécimen, mais je m'en fous. C'était, elles étaient souvent exposées, bon voilà, comme ça, dans les vidéoclubs. Mais voilà, ça c'est l'affiche de la VHS. Donc voilà. Putain, si j'avais ce poster un jour, et même la VHS, parce que vous voyez, le DVD, en fait, ils l'ont fait comme ça. Voilà, la comparaison, c'est vraiment plus beau, c'était vraiment plus beau en VHS. Donc voilà, mais très content de le retrouver. J'ai récupéré, je vous ai mis les softs, celles que je peux vous présenter. C'est du spécimen pour beaucoup, hein, on va dire une grosse moitié, mais après, c'est vraiment de l'officiel. Donc René Château, Cobra. Il y a du Bioman, j'ai du Bioman aussi. J'ai pas mal de choses comme ça. J'ai des films d'horreur, 5 femmes à abattre. J'en ai énormément. Il y a des films qui ne sont pas sortis en France, comme celui-ci, où il y a l'actrice là qui joue, elle joue dans, je vous en avais parlé, Une amie qui vous veut du bien, qui est une bombe, mais que tout le monde veut. Et le héros du film, en fait, arrive à sortir avec, mais c'est ça, voilà, il croyait que c'était elle qui lui avait écrit un poème, hein, mais c'est pas elle. Mais voilà, très très beau film, que j'ai en double d'ailleurs. Voilà. Hop. Donc voilà des films à l'américaine, comme j'aime bien, dans des bahuts et tout ça. Donc voilà, quand un jeune banlieusard maladroit comme Jonathan, Doug McKeown, rêve de conquérir la fille la plus sexy de lycée, tu vois, ça ressemble un petit peu à une amie qui vous veut du bien. Se lie d'amitié avec un motard branché, venu de Chicago, Chris Nash, qui a du succès auprès des filles, évidemment. Qu'arrive-t-il? Point d'interrogation. Voilà, ils s'enhardissent, ils changent de look, etc., etc. Mais voilà, c'est des films, enfin moi, que j'adore, que j'apprécie beaucoup. J'ai regardé la semaine dernière, j'ai beaucoup regardé, j'ai branché mon lecteur DVD 5.1 sur l'ampli, j'ai regardé Top Gun, les copains, j'ai regardé Stargate. Franchement, truc de dingue. Donc voilà, celle-là, pardon, celle-là. Je l'ai en double, j'en ai plusieurs en double. J'ai ça, je vais la plier pour que vous ne voyez pas. Voilà, dans le truc, on va dire X, voilà cette affiche de cinéma avec la photo, vous l'avez reconnue, de Madonna. Je vous laisse lire. Donc voilà, rangé dans les trucs, on va dire, pour adultes. Voilà, le film secret de en 4 lettres et de en plusieurs lettres. Qui pourrait ruiner sa carrière. Donc je me rappelle, ça avait fait un gros truc à l'époque. Et voilà, j'ai jamais su si c'était vrai ou pas. Voilà, après j'ai récupéré des choses aussi comme ça. Joyeuse Pâques avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, là c'est l'intérieur de la jaquette et là l'extérieur, très joli, que j'ai en plusieurs fois. Je l'ai eu 3 fois, je crois. Donc voilà, je vous le montre. Voilà, très joli des... C'est des trucs de présentation. Hein. Alors, on peut les ranger. Donc, c'est chez Serito. Mais voilà, c'est il y a du matos dedans, les amis. Regardez, je vous parlais de René Château, Bioman.
J'ai le 1, le 2. Après, j'avais encore quelques trucs à vous montrer. Je peux pas tout vous montrer, c'est impossible. Mais il y a des trucs dans le X. Mais il y a des collections de 50, 60 films. Il y a les numéros en bas. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je vais essayer de le retrouver. Il y en a tellement. Mais il y a plusieurs comme ça, collections de films. C'est un truc de dingue. Hein. Je peux pas tout vous montrer. Mais regardez, il y en a, mais j'en ai des kilomètres. Bon, après, je vais faire gaffe de ne pas montrer, quoi. Mais là, ça va, c'est un film comédie. Mais voilà, il y avait Collection Passion. Faire gaffe de ne pas montrer. Collection Passion, mais ce n'est pas celle-là les plus belles. Hein. Fais gaffe de ne pas trop vous montrer. Je fais attention. Hop. Il y avait, Qualité X Collection. Je vais tourner, on ne sait jamais. Je pense les plus belles affiches de cinéma, c'est le Trésor du Hard américain. Franchement, là, j'en ai 60, je crois. Après, il y avait Qualité X Collection avec Tori Welles, Zara White, Tracy Lord. Vous voyez, c'est tous les films des années où on était ados, plus, quoi, tu vois, qu'on n'avait pas le droit de regarder. Mais vraiment, il y a de très, très belles affiches. J'ai du film d'horreur, évidemment. Il y en a 783 de mémoire, mais il y a de très très belles affiches. Ce monsieur, je regarde pour pas qu'on voit ce qui est interdit à l'antenne. Je reste avec ce monsieur et du coup, j'ai fait une nouvelle rencontre. Je vais chez la dame là bientôt. Et là, de la PLV, les amis, mais c'est un truc de fou. Mais le plus beau coup, je pense, c'est ça. Je vais en récupérer d'autres. Alors, je me suis positionné déjà sur trois autres, comme ça, séries, jeux, deux photos, des films cultes. Et pour vous et pour moi, vous allez vite comprendre quand je vous les présenterai. Mais c'est un truc de dingue. Et je suis très content que des gens comme ça ont pris soin de ces choses-là. Parce que retrouver ça aujourd'hui... c'est fou, mais je vais rentrer bientôt de très très belles choses et je suis très content parce que le vidéo club est en train de se monter. Mais quand tu as de la déco comme ça, c'est vraiment du plus plus. Là, les Youngblood, je vais même les mettre les photos toutes et je vais les mettre sous verre, quoi. Tu vois, il y a hors de question que je les épingle au mur et tout ça. Il faudrait carrément être fou pour et après acheter un petit classeur pour ranger. Comme ça, ces enveloppes, faut prendre soin, c'est vrai, hein, c'est trop dommage tout ce qui a dû passer à la poubelle, j'en discute souvent avec des clients, mais c'est fou. Après, je rentre, voilà, ça aussi, tout ça, c'est du don, c'est du CD audio, donc il y a un peu de tout, il y a Game Nania, Power It, donc c'est aussi tout des trucs des années 80, la BO de Desperado. Comment il s'appelait lui déjà, je me rappelle même plus, c'est fou, j'ai regardé en plus les euros il n'y a pas longtemps, Antonio Banderas, Rondo Veneziano, le génie de Mozart, je ne l'avais pas, Adèle 25 je crois c'est celui-là, ouais parce qu'Adèle a une particularité, hein, c'est quand elle fait un album et qu'elle a un certain âge, bon elle ne s'est pas cassée la tête, elle a intitulé l'album du nom de son âge. Yaba Daba Dance 4 avec Two Flowers on the Fourth Floor. Scooter, évidemment, il y a du très très bon. Je l'ai écouté dans la voiture. Julio Iglesias, le Best of en 2 CD. Ça aussi, j'ai écouté le premier. Parce qu'il y a du bon, franchement. Il chantait, il a fait des duos et tout, mais c'est la folie, on ne penserait pas. Dance Door 98. Après, une belle petite surprise, j'ai trouvé Elton John. Enfin, j'ai eu dans ce lot, je n'ai pas trouvé. J'ai pris ce qu'on m'a offert. En vidéo CD, il y a 4 chansons et il y a 4 clips. 1, 2, 3, 4. Les chansons, celles qui sont chantées.
Et après, il y a aussi en vidéo CD, il y a les 4 vidéoclips. Ça, c'est un vieux. Je l'ai mis là, mais je l'avais déjà, ce Lionel Richie, Back to Front, mais c'est parce que je l'ai écouté cette semaine. Boulevard des Hits, le volume 13, que je n'avais pas. Jean-Michel Jarre, je l'ai pris, je l'ai déjà, mais je l'ai pris, j'adore. Donc c'est Oxygène 713. Voilà, Contact Replay, le meilleur de son. Enjoy. Oui, il y a un peu de tout, hein. J'ai eu du Alain Souchon. Des foules sentimentales, donc évidemment, y a quoi dedans? Je regarde, mais voilà, bon, il y a foule sentimentale, évidemment, mais faut que je l'écoute, je connais pas tout, je connais Allô Maman Bobo, je connais la balade de Jane, je suis même pas sûr que ça s'appelle comme ça. Je regarde, je vais pas tout regarder, hein, les amis, mais je suis même pas sûr du titre que je viens de vous donner. Je connais le son, mais le titre, j'ai plus de difficultés. Alors ici, Robbie Williams, les Greatest Hits. Renaud, Paris-Province, le Trailer Tour. Grand Corps Malade, que je ne connais pas, m'en voulez pas, les amis. Donc j'ai eu deux fois l'album, c'était un passionné, je pense, cette version qui est classique. Et la version cartonnée, voilà, c'est le même album. Voilà, avec ici le CD. Et dans la petite pochette, là, vous avez voilà, le petit flyer avec le nom des chansons, les paroles, j'imagine. Bon, j'avoue, après, je ne suis pas trop, trop fan, je ne connais pas grand-chose de lui. Pas quelqu'un qui m'intéressait, il paraît que c'est un chanteur à texte. Mais bon, voilà, après, j'avoue, c'est pas ma came. Renaud, c'est 10 francs, les trois tirs. Ça, c'est pas mal, c'était cool. Et voilà, je l'ai deux fois, donc la version classique, et là, c'est la version boîtier métal, très très jolie, avec une cible. Voilà, c'était joli, c'est franchement très très beau. Après, DJ Nasty et DJ Bronco en mode funk, donc j'ai déjà écouté évidemment, puisque ça fait 15 jours que j'ai, donc il y a 4 CD, excellent. Le monde musical de Vangelis par synthétiseur orchestra. Et après Hollywood, film et TV hit. Alors là, j'ai pas écouté, mais il y a du Dynasty, Karate Kid 2. Il faut que j'écoute parce qu'il doit avoir de très très bons films. Il y a Stand By Me, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais enfin, qui sont I Just Called to Say I Love You dans Woman in Red. Donc, tu vois, la fille en rouge, c'est. Je vais pas spoiler parce que j'aurais trop peur que les choses me passent sous. Mais elle joue dedans, dans ce film. Et donc, voilà, c'est la fille en rouge. Je vous dirai c'est qui l'actrice plus tard. Donc après, il y a plus de 120 DVD, on va essayer d'aller très très vite. Eddie Murphy, Docteur Dolittle 2, voilà. Vous allez voir tout ce que j'ai trouvé. Enfin, tout ce que j'ai trouvé, tout ce qu'on m'a donné, c'est vraiment du don, là, du don. Je sais bien, les amis, des fois, ça fait rager, mais c'est vrai qu'on me dit souvent, toi qui n'es pas natif de la région, tu as cette facilité à parler. Évidemment, j'ai chez beaucoup de gens, hein. On a des gens qui nous achètent du matériel. Ils sont, je vais dire, un petit peu âgés quand ils ont un problème avec leur box. Alors, beaucoup ont mon numéro de téléphone. Ils reviennent, ils veulent gonfler les PC. Alors, je remets de la mémoire. Ils ont des problèmes avec leur box. Des fois, c'est juste rebooter la télécommande. Ils ont des problèmes d'imprimante. Ils ont des problèmes de téléphone paramétré pour quand ils achètent les trucs auditifs et tout ça. Donc, voilà. Donc, ils m'appellent, j'y vais. Voilà, en retour, j'ai beaucoup, beaucoup de cadeaux. Je veux pas d'argent. Si j'avais voulu, les amis, je serais aujourd'hui, je serais riche, je pense, parce que c'est des sommes qui sont folles, quoi. Et donc voilà, donc je préfère en retour. Si vous avez des choses à vous débarrasser, à vous jeter, je préfère faire ce deal-là. Donc voilà. Donc le DVD, il s'en moque un peu, il regarde beaucoup la télé maintenant. Donc voilà, le jour où la Terre s'arrêta avec Kenny Reeves. Voilà un petit peu le deal que j'ai avec les gens et ils sont très contents, ils ne dépensent pas de sous.
je suis très content, je leur prends pas d'argent, mais en contrepartie, ça gonfle ma collection. King Kong 2, donc là, je l'avais déjà en VHS, je le récupère en DVD, et c'est avec Linda Hamilton, évidemment. Il est tout blisté, hein. J'ai beaucoup de films qui sont blistés. The Last Day, qui ressemble un petit peu à la photo du film 2012. Colombian, il y a beaucoup de films que je connais pas. The Host, je vais très vite, hein, les amis, je vous présente pas les films, d'ailleurs je ne connais pas tous. C'est comme 50 nuances degrés, je connais pas, mais pas du tout, c'est pas mon truc de film. Mission to Mars, alors là, ouais, c'était Brian De Palma, voilà. Alors ça, je vais regarder, mais avec mon ampli, enfin mon truc et tout, je vais me régaler. Je vous dis Top Gun. Punaise, j'ai le caisson de basse sous mon canapé. Et après, bon, j'ai les enceintes, la frontale, le droit, enfin gauche-droite, et puis l'arrière-gauche, l'arrière-droite. Waouh, franchement, le film, tu mets ça. Alors, je vais essayer de le brancher. Donc là, c'était sur un lecteur DVD. Avec l'ampli intégré, je vais essayer de brancher un autre ampli avec vidéo laserdisc. Je vais regarder si franchement ça fait le même effet. Mais en tout cas, ça permet de redécouvrir les films et franchement, on est en immersion totale dans le film. Spy Kid, donc bah voilà, encore une fois, avec, il y en a eu deux, je crois, même peut-être trois, avec Antonio Banderas. Je ne sais pas s'il a fait les trois, le deuxième sûr, mais le troisième non. Je récupère un beau coffret, le SAV des émissions. Avec Omar et Fred. Alors ici, c'est que du blisté. Ouais, voilà, ça aussi, c'est un truc... j'ai les trois Matrix, en fait. Je vais la remettre dans l'ordre. Voilà, ils sont tous blistés, écoutez. Donc, Matrix, premier volet. Le deuxième, le Reload. Et le troisième, Révolution. Voilà, trois DVD qui sont encore tout neufs. J'ai du Harry Potter aussi, Harry Potter à l'école des sorciers, le prisonnier d'Azkaban, l'ordre du phénix. Bon, je crois déjà les avoir, mais voilà, je pense qu'il y a, je ne sais plus combien de volets, il y a les reliques de la mort 1 et 2, il y a, je ne sais plus, dans l'ordre, j'ai eu la môme aussi, dans un beau fourreau. Le masque de la peur. Ça, c'est des films que je ne connais pas. Je vais découvrir. Snatch. Donc, ça, j'ai l'affiche cinéma. Avec, évidemment, Brad Pitt. C'est pas lui qui a le rôle principal. Les Diables de la mer. Film que je ne connais pas. Peut-être un truc de pirate. Melville. Avec Jean-Paul Belmondo. Mossad, service secret d'État, que je connais pas, qui est encore neuf, blissé. Alors, je crois qu'il y a peut-être un peu de nanar hein, dedans, mais Imaginatrix, volume 2, je sais pas à quoi, c'est un dessin animé. Un dessin animé. Donc, voilà, dans un fourreau. Faudrait que, enfin, il y a des trucs que je découvrirai plus tard, hein, là, franchement. Comique de toujours. Donc, là, il y a du très bon. Il hein, y a. Il y a Jean Yann, il y a Bourville, il y a Raymond Devos, il y a Francis Blanche, les Frères Ennemis, Robert Lamoureux, Jacqueline Maillan, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, évidemment, Jean Poiré, Michel Serrault. Donc voilà, j'étais très content, il y a plein de sketchs, hein, il y a deux DVD, donc voilà, c'est en fait une compilation, il y a 3h30 hein, de sketchs. Les westerns, une collection, la légende des DVD, American Outlaws, donc là c'est Colin Farrell, donc évidemment c'est pas du western à l'ancienne, Ali Larter et Scott Kane, je connais pas, donc juste Colin Farrell, voilà, après The Man Who Stars at Cost, avec George Clooney, Jeff Bridges et Kevin Spacey, Edward McGregor, donc il y a du gros acteur. Bon, ça ne veut pas dire que forcément les films c'est du top. Hein. Franchement, moi, ce titre de film,
Ne parle pas. Lucy avec voilà Scarlett Johansson et Morgan Freeman, que j'ai déjà. The Pool, reprenez votre souffle, c'est peut-être le dernier. Titre assez évocateur, qui doit faire peur. Métamorphosis, avec des vampires. Johnny 100%, le live à la Tour Eiffel. Sandra Bullock, Fire on the Amazon. Vous voyez, il y en a, hein, j'en ai encore à vous présenter, les amis. X-Men 2, Brubaker, là je suis très content avec Robert Redford. Hypertension 2, j'ai le 1. KPDP, donc le masque de fer, je crois c'est avec Jean Marais, si je dis pas de bêtises. Même pas. Ah si, Jean Marais, ouais, si, qui joue le rôle de D'Artagnan. Le trésor de Barbe Noire. Alors ça, franchement, j'ai regardé. C'est un petit peu comme les Sinbad. C'est le genre de film qu'on regardait à la dernière séance. Le Capitaine, voilà, ça, avec évidemment Jean Marais et là pour le coup Bourville que j'ai déjà. Salut l'ami, adieu le trésor. Donc Terence Hill et Bud Spencer. La Lune dans le caniveau, je connais pas. C'est en fourreau. C'est avec Depardieu, il était super jeune. Donc voilà, je ne sais pas si la jaquette vous parlera. Regardez un petit peu la dégaine qu'il avait. Il était mince. Allez, on continue. J'en ai beaucoup. Hein. Donc là, je suis très content. Je récupère dans une version anglaise. Mais il m'en manque un, je pense. Il y en a un que j'ai en doublon. La planète des singes avec le premier Charlton Heston, mais toute la collection, version anglaise et française en deuxième langue. Donc, bon, je ne vais pas les dire dans l'ordre, hein, mais c'est les évadés de la planète des singes, la bataille de la planète des singes, la planète des singes, le secret de la planète et le secret de la planète. Donc, tu vois, il m'en manque un. Voilà, je vais vous montrer un petit peu peut-être, mais. Elles se ressemblent quasi toutes. Voilà, très content de récupérer Planète des Singes. Justement, j'en ai regardé un. J'ai regardé le premier, tu vois, de 2000, 2001, là, avec Mark Wahlberg. Et après, j'ai enchaîné sur Les Origines, Révolution, je crois, et Suprématie. Conjuring en fourreau. La maison aux fenêtres qui rit. Alors là, je ne sais pas si c'est un film d'horreur ou quoi. C'est un film, le chef-d'œuvre horrifique du cinéma italien. Après voir si ils ont la même définition du mot horreur que nous. Une heure de tranquillité, ça je l'avais vu, c'est assez amusant. Avec que merde. Ouais, j'ai dit un gros mot. Avec. Christian Clavier, double team, très content. Avec Jean-Claude Van Damme. 9 semaines et demie, Mickey Rourke et Kim Basinger. Ça, c'est des films que je connais un peu plus. Commando. L'éveil. Pour la dixième fois, peut-être. Une bouteille à la mer. Risque maximum. Donc, avec. Je l'adorais cette fille. Je croyais qu'elle aurait fait vraiment une plus grosse carrière. Natasha Henstridge, je crois, ouais, c'est ça. C'est Risque Maximum avec Jean-Claude Van Damme. Donc, elle joue dans La Mutante. Donc voilà, bon, j'en ai encore. Hein. Vous voyez tout ce que j'ai eu en DVD. Franchement, j'ai incassable en version collector. J'enlevais mes lunettes. Urban Evil, film d'horreur. Très très belle jaquette. Bad News Beer, là c'est un truc comme j'aime bien, les années 80 avec voilà une équipe de baseball. Ça a l'air d'être assez sympa. Je vais le regarder certainement dans la semaine. Sylvester Stallone, un qui est pas franchement, on ne le trouve pas souvent. C'est du plomb dans la tête. Je crois que je l'ai dû voir qu'une seule fois. Et pour le coup, je ne me rappelle même plus du film. Dream House avec Daniel Craig et Naomi Watts, celle qui joue dans King Kong. Les Intrus. Oui, il y a du bon hein, quand même. Il y a beaucoup de belles découvertes. J'ai quoi encore?
Alors là, il est encore blisté, version remasterisée, Evil Dead 2. Magnifique. Là, j'ai faussé un beau coup. Parce que je récupère les trois Rush Hour. Le 1, si je dis pas de bêtises. Le 2. Et le 3. J'ai l'affiche pantalon en plus. Ben Hur, que j'ai eu hier à 1 euro. Ceux-là, je les ai payés. Ceux-là, non. Dans ce que je vous ai présenté, là, il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai payés. Voilà, ici, Al Pacino, Robert De Niro, très très beau film, que je vais me regarder parce que là aussi, ça canarde. C'est un film où il y a beaucoup d'action et Val Kilmer. C'est Hit, mais c'est dans la version très très belle pochette, jaquette. Donc, la version de la Warner avec le petit clapet rouge. Je l'ai déjà, mais pas cette couleur-là, pas cette version-là. Très content. Et alors là, grosse surprise, Antoine au Québec, donc qui voilà, ses DVD sont sortis aussi dans cette collection de la Warner. Donc voilà, très surpris. Je l'ai pris. Enfin, c'était dans le lot, donc je l'ai pris. Très content. Excellent film que j'ai en VHS que j'avais pas encore en DVD. C'était leur première collaboration sur un film. Après, ils ont fait Money Train. Mais voilà, Wesley Snipes et Woody Harrelson. Les Blancs ne savent pas sauter. Bon, Wesley Snipes, Passager 57 et j'en passe. Blade, Woody Harrelson qui joue dans 2012 et qui jouait surtout dans Proposition Indécente avec Demi Moore. La Nuit à Hollywood, Le Pire Peut Arriver, Ghost Chase. Il y a beaucoup de films que je connais pas. Hein, qui a emballé encore Alien Express. Moving Target. Là, c'est vraiment des films que je dois découvrir. Franchement, j'ai de quoi m'éclater. Le problème, c'est qu'on arrive à la fin de l'hiver, qu'on est bientôt au printemps et que là, les vide-greniers arrivent. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à la maison. Emily, L'Enfant des Ténèbres. Arsène Lupin. Il y en a encore un petit peu, les amis, pas beaucoup. Enfin, je dis pas beaucoup. Il y en a encore quand même un petit peu. Mais voilà, mais tout ça, j'en ai payé que 6. Hein, vraiment, Amityville 3D, Le Démon avec Meg Ryan. Celui-là, je le connais pas. Le Jeune Tigre avec Jack Chang, emballé encore. Alors là, celui-là... Je le regarde dans la semaine obligée. Le jeu de la vérité avec Coluche. Celui-là, très très content de l'avoir. Je crois que je vais m'éclater. Dark Breed, je ne connais pas. Film d'horreur apparemment. Là, on est sur un western, ouais. Ouais, c'est avec Burt Lancaster, on dirait. Non, même pas. Le dernier face-à-face. Pourtant, il a la dégaine de... Il ressemble très fort. Alors, c'est peut-être pour nous, tu vois. L'éventreur. Jack, l'éventreur, pardon. Je récupère un Dead Zone que j'ai déjà. Black Dog, excellent film avec... Enfin, moi, je l'ai déjà vu hein, plusieurs fois. Je l'ai même déjà... Je crois que je l'ai en vidéo laserdisc, que je l'ai en VHS. Je l'ai plusieurs fois déjà en DVD. Mais avec Patrick Swayze, Le Labyrinthe de Pan avec une belle photo en 3D, The Circle, blisté encore, Fenêtre sur cour, donc là voilà, c'est Hitchcock hein, qui faisait ça, Memorial Day, ça je connais pas, The Island, donc on est beaucoup à connaître, j'ai réussi à récupérer un Crocodile Dundee, le premier et le deuxième. Ça me fait rigoler parce que j'ai les deux jaquettes là devant moi. J'ai l'affiche cinéma et l'affiche pantalon. Ils sont de l'autre côté. Je ferai un jour une photo. Soif de justice avec, encore une fois, Jackie Chan qui est emballé. Spy avec Jason Statham. Casino Royale avec Daniel Craig. Le Gorille vous salue bien avec Lino Ventura, Le Magicien d'Oz, The Wizard of
Oz. Voilà, un très très beau fourreau. X-Men 1.5 avec un fourreau, beau fourreau également. Voilà, je termine avec les derniers DVD. Là, il y avait une collection, enfin dans ce lot, il y avait une collection avec Terence Hill. C'est la série, donc là, c'est Café au lait. Je ne suis pas très fan, hein, moi, je vous avoue, ça ne m'a jamais fait trop rigoler, je ne me suis jamais trop intéressé. Daisy Town, mais peut-être qu'un jour, je regarderai par curiosité. Emma Dalton. Voilà, après Last Platoon, dans la lignée de Platoon et de Rambo. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans le résumé, je pense. Ouais, dans la lignée de Platoon et Rambo, des images choc pour raconter le destin de ces héros pris dans la tourmente de la guerre. Un film fort et violent, brillamment interprété par Donald Pleasance. Voilà, donc voilà, peut-être un film que je regarderai dans les jours qui viennent. Un peu de VHS, les copains. Alors, je vais récupérer là aussi un beau lot. Ça va être 5 cartons de VHS. Avec, j'ai aussi Histoire sans fin, que j'ai déjà. Mais voilà, je vais récupérer un gros lot VHS là dans les jours qui viennent, peut-être mercredi. Mais voilà, après, bon, pas avant de la peau de l'ours, avant de la tortue. Mais voilà, le monsieur, je le connais bien. Je récupère 2 cartoons, Cartoon Stories, en VHS, là, du coup. Et un autre. Yves Duteil, que je rangeais dans ma section des concerts, des chanteurs. L'été meurtrier, VPC promotion. Alors, j'ai l'été meurtrier, mais VPC promotion, je ne connais pas. Le film aux 4 Césars. Après, Blisté. Très content, mais je l'ai déjà plusieurs fois. Hein. Je l'ai regardé même il y a 3 semaines, je pense, 4 semaines. La folie des grandeurs, qui devait être joué, je vous en avais parlé d'ailleurs, par Yves Montand, mais bon, Louis de Funès n'étant plus, enfin, Bourvil n'étant plus. Voilà, et puis il était très malade juste avant. Mais voilà, comme ils ont fait appel à Yves Montand. Mais bon, le film est quand même un véritable succès. Et après, un Obélix, Astérix Obélix contre César, Blisté. Voilà ce que j'ai eu en film. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et je vais finir, là ça va aller très vite. Il y a du vinyle et il y a du jeu MB. Je récupère 3 jeux MB, les copains. Je suis très content. Il faudrait que je fasse le compte. Je dois être, je ne sais même pas. Mais à beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc ça, je récupère ça à 1,50€. Je suis allé à la Croix-Rouge et donc j'ai été faire un petit tour, il y a longtemps que je n'avais pas été. Et donc c'est Les Animaux de la Jungle, cache-cache. Donc ça c'était vendu 3 euros, il y avait des soldes dessus. Voilà, 3 euros. Et sur le côté, ils avaient mis un nouveau prix. Alors est-ce que je l'ai enlevé, est-ce que je l'ai laissé ouais, je l'ai, il est là. 1,50€. Il y en a un, hein, je vous dis, après le rangement, je vais m'éclater, je pense. Le flambeur. Voilà, complet. Alors, je l'avais vu une fois, mais il était trop cher, envie de grogner. Elle le vendait 10 euros, la dame. Donc là, je l'ai payé 3 euros. Et là, ce que je récupère pour 5 euros, bon, la boîte, elle a un petit peu souffert. Mais voilà, c'est l'attrape-souris. Donc voilà, c'est une sorte de, je pense. Hein, je ne sais même pas si je l'ai ouvert. Ouais, pour regarder s'il était complet. Tu installes des trucs et en fait, voilà, c'est une sorte de, je sais pas comment vous expliquer, labyrinthe. Tu dois mettre une bille et tout ça et tu fais ton parcours. Je vais regarder si j'ai. Voilà, ça j'aime bien chez MB. Tu as la notice derrière. On va mettre là, vous verrez mieux. Donc voilà, donc encore 3 bons jeux MB. Ça va être aussi les vides-greniers reviennent. Ça va être une de mes recherches encore pour essayer d'étoffer la collection. Je vais essayer de remettre ça proprement. Déjà la boîte, bon, elle a été un petit peu scotchée. Vous l'entendez au bruit. Voilà, et on va finir avec du bon vinyle. Voilà, qui sont aussi des cadeaux. Il n'y en a que 2 que j'ai achetés. Les 2 qui m'intéressaient, que j'ai trouvé hier ben, en cash. Voilà, je les ai pris, c'était 2 euros pièce.
C'est beaucoup plus récent, c'est Gigi D'Agostino, The Riddle. Donc le disque jockey, hein, et Another Way. Donc voilà. Et après, j'ai eu du Nina Simone. Donc évidemment, le premier, c'est ma Baby Don't Care For Me. Voilà, et puis après, je vais écouter les autres. Ah, j'ai eu du Charles Trenet. Donc voilà, 1989. Voilà, donc c'est un double. Voilà, très très bon. Avec sa dégaine, voilà, que tout le monde connaît, son chapeau. Charles Trenet, point 2. Voilà, tout ça, c'est des choses que je vais écouter, hein, en petite musique d'ambiance. Les Charlots en vadrouille. Gainsbourg, musique de film, donc Je t'aime moi non plus, Goodbye Emmanuel, L'eau à la bouche, Le Pacha, il y en a d'autres évidemment, hein. Il y a Six, Sex and Son, il y a Requiem pour un con, il y a voilà, Sex Shop, Charlie Brown, Goodbye Emmanuel, Sous le soleil exactement. Donc voilà, très content, ça c'est un très très bel album. J'ai du Sheila, Reviens, je t'aime. Dance Story, alors c'est pas dance, hein, c'est vraiment, c'était évidemment pas chanté par les chanteurs, il y en avait beaucoup hein, dans les années 70 notamment, mais voilà, c'est des groupes qui reprenaient les plus grandes chansons, mais c'est plus Dance Story, les 24 plus grands succès de la danse, voilà, mais bon, c'est assez ancien, hein, c'est avant les années 80, et après un hein, que j'ai eu, je suis très content, je l'ai, c'était un album que mon père adoré, c'était Disco Dance ou Disco. Non, là tu peux dire Dance. Hein. Tu dis Dance quand c'est un S et Dance quand c'est un C. Et là c'est Adriano Celentano. Et là franchement, Don't Play That Song, c'était vraiment le truc qu'on adorait écouter à la maison. Voilà les amis, très très grosse rentrée. La vidéo, ouais, elle va encore une fois un petit peu déborder, mais bon, les vrais passionnés. Regarderont plusieurs fois ou en une fois s'ils sont un petit peu happés par la vidéo. Mais voilà, je rappelle aussi cette très très jolie rentrée. Je suis vraiment très content. Je vais pas vous faire le récap, hein, ça va encore une fois prendre beaucoup de temps. Mais voilà, énormément de DVD, de la VHS, du CD audio, du jeu de société, ce beau présentoir, la petite télé, de la console, de la Play 3, de la Game Boy Fat, et puis toutes ces, voilà, 783, je sais, je l'ai marqué là, 783 pochettes pour les VHS, et cette très belle photo de Youngblood, qui est mon film préféré, les amis, voilà, avec ces très belles photos, et c'est que un début, parce que, voilà, je me suis, voilà, je suis en relation étroite avec ce monsieur, qui, voilà, qui en plus j'ai rencontré une autre personne, et là aussi c'est de la PLV de fou à des prix de dingue. Voilà, je pense vous avoir tout dit, on a fait un bon tour, voilà les amis, merci d'être passé après ce petit break, mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin des gens, je vous dis à bientôt, bye bye, ciao, salut les amis, bisous, à la semaine prochaine, ciao.